T'as besoin d'aide? Non, je veux dire, je suis junior en fait. Je cherche de nouveaux dossiers. Il est avec moi. Bah pourquoi t'es venu avec un serveur? Non, il travaille au cabinet. Regardez. Bien. Il y en a marre de tous ces connards avec leur thune de merde. C'est moi qui m'occupe de l'affaire. Hein? Enfin, c'est pas moi personnellement, hein, mais c'est le cabinet. Ah, dommage. Pardon, je suis désolé, je suis en retard. Pourquoi t'as pas pu finir le mémo? Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. Bah, c'est bien ça, tout va bien. Comment ça? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage, parce que c'est grâce à ça que t'as une promotion. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer? À partir d'aujourd'hui, c'est que des bonnes ondes. Il n'y a pas besoin. Et d'abord, là... Et t'as pécho une meuf parce que t'as un cancer? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade, en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. N'est-ce pas? Donc t'as loué un cancéreux pour nous faire de la peine. Qui loue tout, la meuf? Bonjour. Bonjour, ton cul. Ta façon de parler, là. Tu peux pas faire un petit effort? Non, ça va. Non, c'est pas joli, t'écoutes pas, toi? C'est pas... Si, la preuve, je t'écoute, là. Je suis une merde. Regarde, ta morale, elle est en phase terminale, là, c'est chaud. Et il va falloir que tu lui dises. Allez, là. T'es très gentil, toi. Merci. Non, c'était pas un compliment.